Neyo pour le 12e mois, Pacelito pour le 5e mois aussi et Baptiste pour le 5e mois. Mon tout premier jeu Switch, bon courage pour le 100%, pour... merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Eh, hey, t'as envie de courir avec les rois de la course et quand on arrive dans un pays, on le traverse au pas de course. Tu veux courir avec nous, petit gars? Si tu gagnes, je te donnerai un prix. Bien sûr. Et il n'y a qu'une règle, elle est très simple. Pour gagner, faut arriver premier. Original comme course. La ligne d'arrivée, c'est là où il y a une colonne de lumière, bien reçue. Allez. Attends, mais elle est immense ou quoi? Oh quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller où? Merde. Il faut aller où? Les gars? Ah. Ah merde, il faut aller chercher les œufs? Ah non, les œufs te mettent bien. Ah quoi? Mais c'est trop cheaté. Attends. Il faut aller où? Il a dit, il a parlé de lumière. Ah mais putain, c'est là-bas. Oh non, je me déteste. Tiens, tiens, je te bouffe. On peut les bouffer ou pas? Ah non. Ah ok, ok, ok. Y a pas de soucis. Y a pas de soucis, c'est une troisième place en ayant un... Au début, ah, déjà, record. Déjà, PB. Premièrement, PB. Merci beaucoup. Il m'a donné une pièce. Oui, on va réessayer, oui, oui. Alors... Il y en a, ils se prennent des... Mais ça me fume. On fait n'importe quoi. Oh non. Oh non. Vous déconnez, là. Vous déconnez, quand même. Mais je fais la même chose, quoi. Mais j'ai envie de tester tous les objets, là. Il y a quoi comme objet? Le Yoshi, il sert à quoi à part voler? Et les autres objets, c'est quoi? Bon, j'ai PB, j'ai PB. J'ai PB. Bien sûr. Go la technique roulée. Ouais, mais je pense que la fleur donne quand même un truc bien. Je pense qu'il faut faire attention au néo-drift à la fin, surtout de la run. Surtout que je le maîtrise pas, ça me met vachement mal. Pardon. Je leur laisse un petit peu d'avance. Ok, bien joué, bro. Oui. 22 PB. Je pense qu'on peut sub 20, sans souci. Je pense qu'on peut sub 20. J'avais complètement oublié que c'était des étoiles ici. Enfin, des lunes en forme d'étoiles. Et cette musique, j'avais complètement oublié. Bon, on va regarder le classement. Ponce, petite question, as-tu vu les dernières vidéos de Ratchet? Et si tu comptes les faire en live? J'ai pas vu les dernières vidéos de Ratchet, mais ouais, je ferai Ratchet en live, je pense, ouais. Ouais, complètement. 3 millions, pas mal. Bon, corde à sauter, je vous le rappelle quand même, je suis... Enfin, pardon, Grand Prix Flonflon, je suis quand même dans le top multi 100 monde. Bon, ça reste entre nous, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une perf qui est plutôt stylée de ma part. Bon, sur la course Koopa, on est 3 millionèmes, soit 627 millièmes, 918e. Bon, c'est à chier. Hein, voilà. Est-ce qu'on peut rentrer dans le top au moins 500 000? Ça peut être pas mal, peut-être. Ça peut être pas mal. Merci, Persil, pour le 5e mois. Merci beaucoup. Au niveau de mes amis... Ok, y a... Ah ouais, il y a du sub 20 de ouf. Ah ouais, 3,15.
Vas-y, ok. Prochain run, je sub 20. Déjà. Déjà. MDR, play top 2. Le coach top 2. Bah, normal, c'est normal. C'est son boulot en même temps, heureusement. T'imagines si le coach était même pas... Ah ouais, c'est chaud. Non mais attends, il se fout... Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais attends, il est drogué, il prend de la déral, lui. Quoi? Mais attends. Ok, ça va, 17. Franchement, on sub 20 direct, ça met bien. Je pense on passe dans le top 2 millions monde, je pense. À mon avis. Je connais très très peu le ladder, mais je pense. Ah mais en plus, j'ai vraiment une deuxième lune. Lourd. Très bien. Tu prends pas la fleur au début, mais je l'ai pas vue, je crois. Voilà, on est dans le top 2 millions monde. On est en train de marquer l'histoire. Hein. Et 32e ami. Rizzo, 19e Rizzo, t'es chaud mec. 15-14. Ok. Merde, tu fais quoi? On va retenter. Hein. Après, on ira voir aussi une vidéo du World Record. Course Koopa. Attends, je vais commencer à chercher. Course Koopa Odyssey. Attendez. Je voulais pas faire ça. J'ai envie de recommencer. Oh, nice! Ok. En fait, je peux enchaîner les fleurs. Si je puis dire. Avec tout mon respect, bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais... enchaîner les fleurs, là, dans le jeu, mais il n'y a rien de méchant, vraiment, au contraire. Enchaîne-moi, Ponce. Là, je vais juste vous enchaîner, là. On gagne de la place, hein. Juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. Je n'ai pas trop d'amis, regardez en classe, c'est pas l'extase, j'ai beaucoup d'espace, je suis seul. Et personne à qui le dire, c'est pas le pire, quand la pause arrive, je ne suis pas tranquille, il faut que je m'éclipse. Ou alors, accuser le coup, ou dehors, il faudra que je cours. Chaud ou pas? Chaud. Instinctivement en plus, vraiment instinctivement de ouf. Tous les jours, bien vu. Tous les jours, très très bien vu. J'ai pas compris. Alors c'est une ref que les moins de 16 ans, ça va être chaud, j'avoue. C'est chaud. Dommage. Dommage. Bah, maintenant, je sais pas trop comment faire pour gagner du temps. Bon. Optimiser les trages, ouais. Peut-être aller chercher un... On va regarder le World Record. World Record. Koopa Race Odyssey. Ok, je crois que je l'ai. Every Koopa free running world record in every kingdom Super Mario Odyssey. Waouh! Alors moi, je veux juste la course. Elle est là. Ah non, je l'ai pas. J'ai pas le lien. Ne prends pas la deuxième fleur, c'est ce que je me suis dit. Ah, 1 minute, Ponce. Ah. Exact. Je l'ai.
Je l'ai. Boum. Bon, ça lag, mais je l'ai. Fertiche, il est en allemand. And ends in front of Peach's castle. Just check out this run. Oh, le monstre. Ok. Ouais, sur la team Yozuan. Merci beaucoup pour le 26e, moi, mec. Tonton, merci pour le 7e. Anaïs aussi, merci pour le 9e. Merci à vous, les fleurs. C'est du TAS. Je crois pas que ce soit du TAS. Je crois pas. On va voir, mais vous allez voir. C'est assez simple. Il est insane. Mais oui, quand même, oui. De la merde, putain. C'est non. Oh non, je l'ai pas eu. Tu PB. Ouais, mais là, faut plus que PB. Faut... Ok, ça traîne, Zilan. En fait, j'essaye d'avoir la fleur, mais genre de loin. À chaque fois, c'est close. Mais putain, mais... Ok. Franchement, ça reste un sub 15. Pour le moment... Ok. Ça reste ça. Passe pas dans l'eau. Ah, peut-être, oui. Passe à gauche de l'eau. Attendez, on va tester. Mais je passe pas dans l'eau, là. Ah, vous voulez dire dès le début, là? Ah. Un sub 14 est-il possible? Mais tu vois, je suis obligé quand même de passer un peu par... Prends la bosse. Et ouais, mais si j'envoie le chapeau de la bosse, j'ai l'impression que le chapeau est trop haut et il touche pas la fleur. Je recommence. Il roule sur la bosse et passe au-dessus. Ah, attendez. Oh, dommage, il y avait un start qui était pas mal. Deux fleurs suffisent? Ok. Ok. En fait, c'est chaud parce que le joystick est hyper sensible quand on a la fleur au cul. Merde. Du coup, tu pars tellement en couille, mais hyper vite. Je repasse par l'eau, hein. Ah, dommage.
Faut accélérer en secouant la manette en roulade. Ok. Allez, j'avoue que j'ai pas l'habitude de la... Ah ! Allez, c'est pas grave. Ah, comme ça ! Ok. Ok. Donc dès que j'arrive, instant de secouer. Sub 14, hein, sub 14. C'est quand même très chaud. Ah mais faut être toujours souffleur quand même. Et moi j'y arrive pas en deux fleurs. Je pense que je peux pas en deux fleurs si. Je crois que je suis pas assez fort pour le faire en... Moi je suis pas assez fort pour le faire en deux fleurs je crois. Quoi ? Deux fleurs pour un petit le temps speedrun. Ah ouais mais moi j'y arriverai pas. Mais quoi ? Ne te dénigre pas, c'est vrai. Mais quoi ? Quoi ? Et je comprends pas. C'est trop dur. Je vous jure que sub 14, c'est super dur par contre. Hein. Genre 14, tu le fais, mais sub 14. Tu prends pas celle à droite. Ah mais en fait, j'écoute pas assez mes gears. Il y a ça aussi, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis pas en... OMG, il l'avait... Non, je l'avais pas, En fait, faut que je fasse un test. Ok ? Je fais un test. Je prends ça... Et je m'imagine comme ça, et imagine je... Donc en fait quand je prends ça... Alors pas ça... Oh la strat. Quand je prends ça... Ça me fait aller plus loin, c'est ça? Le sub 14. Je te propose de regarder une autre fois le WR. Ouais, mais je me demande si c'est pas du TAS parce que... Quoi ? Vous avez vu ma casquette ? Elle a esquivé la fleur, elle est passée au-dessus. Mais attendez. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, en vrai. Tu es une très jolie fleur. C'est honteux. Je pense qu'au Joy-Con, c'est plus facile pour que tu puisses diriger ton chapeau. Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas trop, mais là, c'est chaud, quand même. C'est particulièrement dur, hein. J'avoue. Merci beaucoup, Camouille, pour les 100 bits. Merci à Natarox pour le 5e mois. Npitsu, merci pour le Prime. Dwarf officiel, merci pour le 17e mois.
Merci à Grignote pour l'abonnement Oudness, Oudness, pardon, merci aussi pour l'abonnement Matriel pour le 12e mois, les 1 an. Merci Napal pour l'abonnement et merci Frenetics pour le 3e mois. Merci beaucoup. On retente. Même si, en vrai, je vais être honnête avec vous, ça me semble hyper complexe. Merde. Ça me semble vraiment chaud. Même si t'as pas encore fini le jeu, as-tu pour l'instant une idée de ton jeu Mario favori ? Non, en vrai, je sais pas. Quoi ? Vous savez à quel point j'ai du mal à élire des choses favoris ? En vrai, je sais pas du tout. En vrai, je sais pas. 14,42. Je crois que c'est un PB parce que j'avais 14,48, mais bon. En vrai, c'est un PB, mais bon. C'est pas celui qu'il nous faut, quoi. C'est quoi ton rang ? Je suis diamant 2, je crois. Diamant 2, mais j'ai un BO pour diamant 1, donc plutôt diamant 1, en vrai. Normalement. Bah, en fait, ça dépend. Il faut passer le sub 14 pour diamant 1. Inch'Allah. Vous avez vu ce qu'il fait aussi, mais il est en total YOLO, Mario. Il prend son chapeau, boum, il l'envoie en l'air, il n'en a plus rien à foutre. Qu'est-ce qu'il fait ? Hey, let's go ! Ah, ça te dégoûte. En fait, au premier coup de chapeau, quand je touche pas la fleur, c'est mort, quoi. Je t'ai vu hier soir sur Trackmania, ça progresse. Ouais, hier on s'est couché, à 2h30 du mat, 3h avec Justin. On a fait du Trackmania jusqu'à 3h, c'était scandaleux. Enfin, c'était scandaleux. En vrai, c'était plutôt rassurant. On faisait des bons scores et tout. Scandaleux, mais on est là. Ouais, c'est ça. Je perds patience. Quittez ce mini-jeu de merde. Ok, je perds patience. On va juste regarder le classement quand même. Le ladder. Ah non, laisse tomber. Hein. Alors, on se connecte au réseau. Mais j'ai clutch de ouf. 108 322. J'ai clutch de ouf. J'étais 3 millionème tout à l'heure. Sub 1 million. Ah bah de loin. Go sous la barre des 100k. Ah non, c'est impossible. Après je dis c'est impossible, mais on a quand même effectivement le circuit du flocon rapide. On est arrivé à choper quand même une 1608ème place. Donc. J'ai un niveau de jeu qui est quand même assez élevé. Ce serait difficile de dire le contraire, c'est vrai. Sub 1000. Mais j'y arriverai pas, je pense. Attends, montre le... Sub 100 000. Non, mais c'est impossible. Il faut que je gagne tellement de temps. Mais je crois que déjà... 7 secondes... Attends, t'es sérieux ? 7 secondes 98 ? Le record du monde, il a quoi 5 secondes 01 ? À mon avis, il y a un petit glitch. Je pense qu'il y a un petit glitch. Mais vraiment pas sûr, quoi. Pas sûr du tout, quoi. Ken, il est 7ème. En vrai, je la retente, mais décomplexé. Décomplexé. Ok ? Vraiment décomplexé. On se prend pas la tête. Après, on ira quand même dans le château. J'ai envie de voir le château. Hein. Dommage. Il fait n'importe quoi. Yeah!
J'arrive pas à prendre ce saut là. Hein. Décomplexé. Enfin, c'était une scène. En fait, j'étais bien. Mais après, je me suis perdu sur les sur mes repères de fleurs, ouais. Pourquoi sauter? Je crois que ça fait aller plus vite. Baku qui subgift Ken Bogard. Merci, Baku. Les champignons sont pas des raccourcis. Bah, pour aller beaucoup plus vite, je crois pas. Enfin, non, du coup, pas vraiment. GPB. GPB, mais pas sub 14. Mais PB. Comme quoi, il y a du step-up, c'est bien. Je retente. Instantanément, je regarde même pas le rank. Je regarde même pas le rank. Instantanément. Vraiment dur de sub 14. En vrai, ouais. Vraiment, c'est... Tu peux large sub 14. Je pense pas. Passer en dessous de 14, là, je vous jure que c'est pas si simple. Oh, j'ai essayé un cut. Si ce cut passe, c'est win. Ça partait très très mal. 14-10 pour ma part. Tu me fais très n'importe quoi, Ponce. À chaque fois. Merci, Metzmeister. Merci beaucoup. Bah, n'importe quoi, ça reste quand même assez intéressant ce qu'on est en train de faire. Oh non. Oh non. On y va. Quoi ? J'ai voulu faire ça. Imagine, avec la fleur, j'arrive à sauter sur le champi qui m'amène tout là-haut. Ou non, c'est de la merde. Horrible quand notre chapeau ne touche pas la fleur, c'est horrible. Ah oui. Oui. Quoi ? Ok, c'est bon. Ok, on va sub 14 juste avec ce champignon, c'est sûr. Le titre est mensonger, où est le slow run ? C'est une vraie question. Fait une petite demi-heure qu'on est là-dessus. Ok. Aura, pop. Ok, faut que j'appréhende. Boum, faut que je me laisse aller, je pense. Le cut champi est bon, mais il est tendu à régul. Je pense pas que tu gagnes énormément de temps. Ah ouais ? J'ai quand même la sensation, moi. Ah, mais c'est... Il faut que je lâche le joystick instant dès que je touche le champignon. Ça va vite, hein. Neutral. J'étais neutral, hein. Je crois que c'est trop dur. Faut même joystick arrière. Peut-être même joystick arrière, ouais. Vous avez raison. J'ai joystick arrière. Et si je saute plutôt tôt, genre...
fait, il faut que je saute sur cet endroit-là. Merde, ok. Je rends l'argent. Merci Demi-Pêche pour ce message en avant, bien sûr. Bon, allez, on va le faire. Je sais qu'on peut le faire. Ah, mais j'avoue que je peux faire ça aussi. J'avoue qu'attendez, pour amortir aussi, je peux mettre mon chapeau. Instant, pour arrêter peut-être même le saut limite. Waouh! C'était quasi, hein. Tu vas plus haut si tu sautes sur le champion en allant vers le bas, je sais pas. Vous savez quoi? J'arrête le champi. Et j'y vais à la régulière. Enfin, à la régulière. À la régulière, full saut. Mais j'arrête le champi, je pense. J'y arrive pas du tout, je sais pas si ça me fait gagner du temps, c'est chaud. Non mais ça c'était à chier. Tu arrêtes la drogue. J'arrête le champi. Bah au moins ça fait un titre pour Rook, c'est bien. Il sera content. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que je fais, putain? Je fais n'importe quoi. Merci Geekman pour le 14e mois. Un mois de plus, c'est toujours un réel plaisir de suivre tes streams. Merci pour ta patience. Parce que... Merci beaucoup parce que là, regarde. Comme sur un... C'est extrêmement frustrant. Merde, j'ai cliqué. C'est peut-être le signe du destin, hein. C'est peut-être le signe du destin d'avoir quitté. On regarde un petit peu les résultats quand même. 68 millième. Oh bah je suis vachement bien. 10e, top 10 de mes amis. Ah bah j'ai un de mes amis qui vient de passer devant Ken, qui est passé 8e du coup. Il y a des gens qui tryhardent maintenant, là maintenant. Bon. Franchement, c'est pas mal quand même. 68 millième, c'est quand même pas mal. Par contre, j'ai pas le world record, c'est marrant. J'ai pas le world record, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas le world record, je crois. Ouais, on peut voir le world record. Ben, en fait, je l'ai pas. C'est-à-dire que je vois beaucoup de vidéos différentes. Il y a celle qu'on a mise tout à l'heure. Si vous voulez, je vous la mettrai rapidement. Mais c'est pas tout à fait le world record, c'est ça le truc. Hop. C'est chaud quand même. Il est vraiment monstrueux, hein. Il est en deux joueurs. Ah, je sais pas du tout. Non, je crois pas. So as you can see, Hamido is using the rocket flyer to gain max speed while using a combination of double jumps, hat bounces and return spins. I really can't see how anyone could get a faster time. In the Cap Kingdom, the starting... Du coup, c'est pas du tas, hein. Je pense. Bon, allez. Je suis obligé de tenter. Tu manges quoi? Je croque dans un pain au chocolat. Un petit pain au chocolat qui me permet de rester vivant, rester debout, avoir la banane. Ah merde, je voulais checker une vraie info. C'était, est-ce que quand on passe par une fleur, quand on a une fleur, ça nous donne la fleur? Non, c'est bien ça. Donc il faut vraiment que je lance le chapeau.
Mais c'est pas possible! Doom, doom, dididum. Ne va pas dans l'eau. Ouais, je vais essayer. Ouais, mais je suis obligé à un moment donné de croiser l'eau. Je l'avais pas. Je préfère recommencer, mais je l'avais pas là. Je suis à 20, 30 là. On est d'accord, je l'avais pas, ouais. Non, je l'avais pas. 14, ouais, voilà, 14. 14 passés en tout cas. Quoi? J'avoue que je suis très très étonné à chaque fois que je me prends ce petit rebord là. Et encore, j'ai fait des détours parce que je pensais prendre une fleur, mais au moins je sub 14. Mais encore, j'ai pris des détours, hein. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Waouh. Et je pense que là, on gagne énormément de points au niveau du classement général, ouais. Au niveau du ladder, ouais, je crois, moi. Merci Pépito pour les 100 bits. En 10 minutes, le Polkadot a perdu un tiers de sa valeur, ça fait mal au cul. Maintenant, faut espérer que ça remonte. Je connais pas du tout les cryptos, mais genre pas du tout. Simba, merci pour le troisième mois, et Metzmeister, merci pour les 200 bits. Le fait de lancer son chapeau en avant en ayant une fleur, c'est le meilleur conseil de la vidéo. Il m'a fait passer de 14-10 à 13-94. Mettre le chapeau en avant quand t'es sous fleur, moi j'y arrive pas justement à faire un truc bien avec ça. 30 millième monde! Oh, on a pas... On est... Bon, Ken était 7ème il y a 10 minutes, il est 9ème maintenant. Il y a une personne dans ma liste d'amis qui est en train de play. Et il y a moi aussi, bien sûr. Incroyable. Incroyable. Voilà. Voilà, voilà. Play s'est fait dépasser. Ah, mais alors c'est qui joue? Ah, mais c'est Loïc qui est en train de jouer. Oh non. Oh là 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 là. La déception pour notre ami Play qui se fait dépasser à 2 millième, malheureusement. 2 centième, pardon, malheureusement. J'ai la vidéo d'un sub 12, si tu veux, Ponce. Non, mais t'inquiète. Peut-être la prochaine fois quand on y retournera, évidemment, pour marquer l'histoire, mais... pour marquer l'histoire. Propre, hein, quand même. Play va faire un stream tryhard ce soir. Moi, je serais trop chaud que Play lance un stream ce soir. Le stream s'appelle Only Tryhard Course Koopa Royaume Champignon Odyssée. Moi, je serais chaud qu'il fasse ça. Hein. C'est le prochain tournoi du dimanche. Bon allez, je suis content, on a fait sub 14 comme on avait dit, c'est nickel, c'est vraiment bien, je suis fier. Oh un gland. Ah oh, bah c'est juste un raccourci. Ah oh, bah dommage. Ah mais c'était là où on essayait de sauter, oui. Merci d'AIMF pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Là, 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 là. Je suis vraiment sur 64. Hein. Ça régale. Alors attends parce que... Est-ce que vous pensez que je peux sauter pour l'avoir par en dessous? Regardez comme ça. Comme... Non. Définitivement non. Ah oui c'est vrai. Attends mais quoi? Normalement je peux passer par la bave. Voilà. Voilà! Mais pourquoi je dois rebattre cette personne d'un coup? C'est improbable, non?
C'est un boss qu'on a déjà vaincu, mais qu'est-ce qu'il faut ici? Peu cher. C'est en mode hardcore. Merde. Boum! Ok. Je peux aller... Ah merde, je peux aller récup ça. Bon du coup j'ai perdu 1 pour aller récup 1. Je suis chaud hein. Ok, j'attends qu'il... Je trouvais ça assez agressif de ta part. Quand même. J'y retourne. Mais j'avais complètement oublié le pattern du vomi et tout. Merci Cacahuète pour le 4e mois, merci beaucoup. Cacahuète. Bah, ce que je vais faire pour me sentir libre, c'est détruire tous ces petits bouts là. Hop, de pommes de terre, de viande. Boum, voilà. Et comme ça, on se sent plus libre de se déplacer ici. C'est bien. Voilà, il vomit, on y va. Yes. Ok. Je vais aller chercher de la vie parce qu'il y a de la vie. Là, là. Merde. Ok, il va vomir maintenant. Il va vomir. Il vomit. Il est en train de vomir. C'est en train de se passer. Je saute. Je ressaute. Et j'ai... Ok, bon, normalement, ça le fait. J'espère. Super. Là. En fait, j'arrive pas du tout à pré-shot où est-ce qu'il les envoie. Et il en envoie... Mais... Oh, mais... Ah oui, mais il les envoie bien dessus quand même, hein. Il faut qu'il vomisse là. Il faut vomir. Je pense, monsieur, il faut vomir. Oui. Oui, super ce vomi. Il est beau ce vomi. Il est beau ce vomi. On passe de vomi en vomi. Est-ce qu'on va devoir faire tous les boss comme ça? D'ailleurs, truc que j'ai toujours pas compris parce que j'ai pas fait gaffe, mais la triple lune de... La triple lune, ça donne vraiment 3 lunes? Ou c'est juste c'est une lune plus stylée? Là, c'est une question pas rhétorique, c'est une question qui demande ouais, tout à fait réponse. Ah oui, ça en donne vraiment 3. Ok, d'accord, j'ai jamais fait gaffe aux chiffres. Ok. Ok. Merci beaucoup Omiki pour le 10e mois. 10 mois dans la grande famille des fleurs, merci beaucoup. Bon bah ça c'est fait, c'est bien. Parfait. C'est Mario 64. Bah on est dans le royaume champignon et c'est avec des musiques et des univers à la 64, ouais tout à fait. Ça régale hein, en vrai ça régale. Nageons ensemble. Oh pardon. Oh la carpe koi. Oh, c'est quoi ça au fond? Mais c'est un gland. Encore? Mais qui a foutu ces glands partout là? Parce qu'on en a déjà mis un là-bas de gland. Oui. On en a mis un qui nous a mis un cut. Est-ce que je peux aller le planter ailleurs celui-là?
On ira dans le tuyau vert après. Une fois qu'on aura découvert comment planter ce gland. C'est Scrat. Scrat qui a oublié son... Oh, mais il y en a encore un. Mais il y a des glands partout. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux un gland? Mais c'est mon tantalable! Ok, il a 6 moutons échappés qu'il faut ramener. Qu'est-ce que je fais de ce gland, moi? Au pire, je le jette et puis j'irai le récup plus tard. Hein. C'est vachement paisible, hein, le royaume champignon. Je pensais pas que c'était aussi chill. Je savais pas qu'il y avait un aussi gros point d'eau sur le côté, tu vois. Ah! Oh bah attends, bah reviens, toi. Alors non, on revient dans le sens... Oui, alors viens. Ah mais faut... C'est hyper dangereux. Oh. Bah écoutez, on va ramener le mouton, mais... On voulait pas forcément le faire de cette manière, mais ça a l'air d'être la meilleure des manières. Ok, bah regarde, t'es juste à côté de ton enclos. Voilà, super! Tu la sens, la quête infernale? Non, ça va, ça va, ça va. Oh, j'ai une grotte. C'est des rats? Il y en a un là! Oh non, l'angoisse! Mais c'est immense! Un maximum de fleurs pour un maximum d'amour. Sois prudent dans la forêt. Il y a tellement de trucs à faire d'un coup là. Il y a tellement de choses à faire d'un coup, je suis perdu. Je suis dans un parc d'attractions, c'est énorme. À quoi servent ces pommes, en fait? Oh! Le gland! Peut-être, justement, j'ai réussi... Ah, oh, mais il y en a un juste là, de gland. Alors, non. Le raccourci, justement. C'est trop chiant, attendez. Laissez-moi mettre ce gland. Bon. Voilà. C'est bien. Et là, c'est un cut. On va peut-être se refaire tous les boss. Je sais pas. On va au château. Ah putain, c'est vrai qu'il y a le château aussi. Oh, il y a trop de trucs à faire d'un coup. Tant mieux. Hein. C'est vrai qu'il y a le château aussi. J'avais complètement zappé. Bien vu. Non mais... Je me rappelle pas. Il va pas activer les autres? Ah. Ça y est, je m'en rappelle.
Par contre, je sais pas à quoi ça me sert sur le côté là, les petits trucs. J'ai un start de fight qui est immonde. J'ai une vie. Enfin, un d'énergie. C'est énorme. Ça va. Bon, en fait, il les trigger avec ce qui... Ah ! Oula ! Ah voilà, il va tout trigger avec ça. C'est ça. Du coup, je vais rester plutôt proche d'un, vu que les autres s'arrêtent. Ok. Ce boss est horrible. Bon, il faut le faire au moins une fois, quoi. Faut en être sûr. Faut en être sûr. Là, je pense que ça le fait maintenant. Merci beaucoup, Alden MRT, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Ponce, le 4 juin, c'est la journée internationale du donut. Sérieux? Il y a vraiment une journée internationale du donut? Genre, c'est une journée spéciale pour le donut, quoi. Ok. Les bons donuts... Mais attends, une journée internationale du donut? Mais on est où? C'est vrai que les donuts, quand même. De 1. De 2. Non. Putain, j'ai secoué ma manette sans faire exprès. Ça m'a fait aller plus haut. Mais je voulais pas du tout faire ça. C'est énorme. Ok, donc... dernier pattern. Donc il va envoyer ça. Moi, je reste sur le côté. Je peux même éviter en un saut, je pense. Quoi ? Oh non, mes pieds ont été touchés. Moins 1. Moins 2. Moins 3. Je vais au centre. Je le défonce. C'est validé ou pas? C'est pas validé. Il y a une quatrième vie du côté du boss là. Ça va être compliqué d'aller chercher une victoire et pourtant... Ah mais ça va jusqu'au bout? C'est la première fois? Wouh! Ok, super. Moins 1. Non, trigger pas ça. C'est une très mauvaise idée. Ok, dernière fois. Lui, il va pas jusqu'au milieu. Et on gagne ce fight. La triple lune. Le crack, non mais ça va. Salut Kara. Let's go. Vous avez gagné une multilune, c'est énorme. Qui donne 3 lunes, tout à fait. On va récolter un peu des lunes, et puis après on ira voir au vaisseau où est-ce qu'on peut aller. Mais en fait, tourner là-dessus, moi. Ah. Salut Todd. Ah. Il a parlé de ma tenue qui apparemment le rendait pas nostalgique. Je vous traduis parce que je sais que tout le monde ne parle pas forcément le... Oula. Une tenue nostalgique. Ok.
t'utilises quelle marque de télé pour la Switch, je pense. Bah là, je suis pas sur une télé, je suis sur un écran. C'est un BenQ Zowie 2411XL, je crois, un truc comme ça. Assez classique. Je trouve que c'est des très 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 bons écrans, les BenQ. Let's go. Remettre les différents éléments à leur place. Oh, je suis nul à ça. Je te donnerai nul une. Oh, vas-y. Oh, je suis nul à ça. Oh, l'enfer. Laisse-moi t'expliquer comment se déroule une partie de portrait caché. C'est simple, l'objectif est de remettre en ordre les morceaux de bouillie qui ont été éparpillés. Pour ce faire, utilise la chapimorphose afin de déplacer et de faire pivoter les différents éléments. À chaque fois que tu places un élément, il disparaît. Mieux les éléments sont placés, plus tu gagnes de points. Oh, ça va être chaud. Pour l'emporter, tu dois obtenir au moins 60 points, mais ça ne coûte rien de faire mieux, ok. Ah oui, d'accord. Non mais, je voulais pas faire ça, putain. C'est top là. Ah mais non mais c'était... Ah merde, c'est les yeux du... Oh, j'ai confondu. Oh, venez, c'est pas grave. Ah non, je crois que c'est bon. Attendez, parce que là pour le moment c'est masterclass. Attendez. C'est masterclass. Merde, je me suis trompé. Putain. Masterclass. Je fais n'importe quoi. Ça me saoule. Ah merde! Mais attends, mais n'importe quoi, il a pas une moustache comme ça. Si, ah bah si. J'ai un temps ou pas? Attends, mais what? Oh, c'est super difficile ça pour moi, vous rendez compte? Et voilà, tu viens quand t'as terminé. Bon là, je pense que c'est terminé là, c'est masterclass là. Oh, c'est juste histoire de refaire parce que toi ça... Mario. Voilà. Je vous présente Mario, le personnage... La coqueluche de Miyamoto. 31 sur 100, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut revoir la photo de base. Malheureusement, je peux pas te donner le prix. Bon, j'imagine. Cela dit, t'as l'air de bien t'être amusé. Bon là, oui, c'était marrant. Ok. On refait. Il faut que je revoie juste l'image de base. Parce que là... Ok. Ok, je crois que j'ai. Ok, je crois que j'ai. Merde, j'ai oublié. Je rigole à moitié. Hein. Ok, pour le moment, c'est masterclass. En même temps, Ah mais putain, c'est vrai que ça disparaît, j'avais oublié. C'est aussi... Et bien sûr, elle est là, la difficulté aussi. Ok. Oh, mais c'est génial ici. Merde. Ok.
Ok, pour le moment, c'est une masterclass. Il va loucher. Ouais, mais il louche hein, de base, hein, je crois. Merde, c'est les Nike ou c'est... Je crois que c'est les Nike hein, qui sont utilisés. C'est pas les petits. Hein. Oh, merde, je sais plus. Non, c'est les petits. Ok. Messieurs, dames, je vous présente... Mario. Je suis monstrueux. Je suis monstrueux. 73, je suis monstrueux. Honnêtement. C'est une masterclass. 73. Propre. Ah, il y a juste les sourcils, mais parce que j'aurais dû les enchaîner quand j'ai fait les yeux. Quand j'ai fait les yeux, j'aurais dû enchaîner avec les sourcils, mais les sourcils, mais je sais... Je suis pas très chaud, quoi. Je suis pas très chaud. Et je crois aussi que la moustache est censée être un peu plus haute, je crois. Il a pas de front. Oh si, là, on voit qu'il y a des fronts, quand même. Enfin, qu'il y a un front. Un suffit, hein. Mais on voit qu'il y en a un, là, quand même, de front. Si, si. Non, franchement, je suis assez content. Il n'y a pas grand chose à redire, c'est bien. Vraiment. Ouais. Ouais, je suis content. Oh, wow. Yeah. Par contre, si vous pensez que c'est terminé, vous vous trompez, j'ai envie de tenter des trucs. Parce que c'est quand même vachement drôle. J'ai envie de tester des choses. 80 ? Ou alors attendez, ah mais j'ai inversé les sourcils. Tac tac, boum bim bam. Plus haut au niveau des roufles là. Ouais. Au niveau des roufles là, plus haut. Et Nike, ok. Avec l'intérieur fin. Si je monte à la racine. Le problème du calcul, c'est que la fonction sera pas linéaire. Je pourrais pas faire le tableau. Ok. C'est parti. Attendez, il y a un problème là. Attendez, mais c'est pas le Mario de base, ça. Mais attendez, mais... C'est Mario, ça? Ah, mais c'est Mario qui est content et qui lève le poing, bien sûr. Évidemment. C'est bon. Donc, en fait, il est comme ça, il est de côté, normal. Dans le club. Non, mais d'accord, il fallait me dire, en fait. D'accord, ça y est, j'ai. Non, mais j'ai, en vrai. Adieu les points de repère. Ouais, mais... Adieu les points de repère, oui et non. Justement, c'est marrant qu'on en vienne à ça parce que j'ai justement énormément de points de repère. Qui sont des points de repère qui sont pas inhérents au truc de base. Qui sont plus inhérents à des points de repère assez stratégiques. Oh, je voulais pas faire ça. Oh, ça pue la merde. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon pour ce dessin-là. Intérieur fin. Ok.
Vous le sentez bien là? Je pense, hein. Merde, le nez. J'aurais dû le mettre avant. Ça, c'est... Ça, pour moi, ça, là, c'est l'oreille. Et là, il y a une oreille de plus ici. Genre là. Et là, c'est son point levé. Comme Amel Bent. Et ça, c'est son pif. Milieu de, de visage, pardon. Classique. Alors, je sais pas ce qui est le pire. C'est est-ce que ce qui est le pire, c'est ce qu'on est en train de voir, ou est-ce que ce qui est pire, c'est que je fais quasiment le double de mon score de la première fois où j'ai joué. Voilà. Là, c'est à vous de me répondre. Je sais pas ce qui est le pire en vrai. Je sais pas ce qui est le pire. Je fais quand même le double de ma première tentative. Je fais 57 sur cette merde. 57. Mais en fait, j'avais pas capté que... Je croyais que tout était penché, moi. Putain, mais fou. Je suis une catastrophe. Au moins, c'est cohérent, pense. Merci beaucoup. Bah, on reconnaît le personnage. Excusez-moi, mais... Si on demande aux gens qui c'est, en général, je pense qu'ils répondent Mario, hein. Et c'est bien évidemment grâce au placement de chacun des éléments de son visage. Et rien d'autre. Aucun rapport avec sa casquette qui crie M en rouge. Aucun... Enfin, vraiment. Mario après le vaccin. Bah, non, c'est Mario, quoi. C'est propre. C'est propre. Merci Luxus pour le 9e mois. Merci Sampil pour le 7e mois. Le petit Vendéen, merci pour le 9e mois. Et Earthmoon pour les 100 bits. En vrai, Mario est bien fait, mais un poil bancal. Bah, c'est ça, tu vois. On va être obligé de le refaire, du coup. On va le refaire, bien sûr. Alors, il est pas mal, ce mini-jeu, quand même. J'avoue. Moi, qui suis un grand fan d'humour et de rigolade, je suis servi, hein. Ok. Bon. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Non ? En vrai, ça se tente là. Ok. 80, il faut faire 80 à l'aveugle. À quoi ? On revient du début ? Ah non, on revient pas du début ? Ok, c'est bon, j'ai des éléments de repère. Je les ai oubliés. Je crois que le plus simple, c'est s'occuper de la moustache dans un premier temps. La moustache qui est... En vrai. Ok, on verra la moustache plus tard parce qu'il y a la bouche avant. Oh, c'est chaud. En fait, le truc, c'est que... La bouche... J'avais mon repère, mais par rapport... Je crois que c'est... La bouche est comme ça. Masterclass. Masterclass. Oh, la bouche. Ok, la bouche est là. Si la bouche est là, je me mets un poil au-dessus. Boum. Et j'ai ici une magnifique moustache. À côté de cette moustache, on va aller chercher les yeux. Les yeux qui, eux, seront... Le blanc, il est en haut ou en bas ? En haut. En haut, ça fait un regard beaucoup plus avisé.
Et Mario est quelqu'un de très avisé. Je mets comme ça pour mettre en face. C'est chaud. Mais alors, moi je suis quelqu'un qui dessine plutôt très très bien. Donc sur Gartic Phone, je suis assez chaud. Sur Scriblio, je suis assez chaud. Pour ce qui est du collage, c'est plus difficile quand même pour moi. Je crois que je suis bien là. Merde. Ok. Pas mal. On a fait remarquer. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Oh. Non. Oh non, j'ai perdu un sourcil. Bon. Est-ce qu'on peut avoir 80% sans ce sourcil? C'est pas Non mais non, je veux pas ça. C'est pas littéralement impossible. Il suffit de faire un bon nez. Normalement avec un bon nez, je pense qu'on peut aller choper le 80. Et le bon nez pour moi c'est celui-là. Masterclass. Masterclass. Points à l'aveugle, mais attends, mais quoi? Oh, il y a un vrai truc! Me dis pas que je le rate, genre à. Oh non, mais si j'avais mis le sourcil. Si j'avais mis le sourcil. Oh non, ça me dégoûte. S'il te plaît. Ça se joue à un sourcil. Ça se joue à un sourcil. Je suis dégoûté. Je suis certain qu'avec le sourcil, je l'avais. C'est sûr. Putain. Ah, c'est le sourcil, quoi. Ah, je suis deg, ça me saoule. On va refaire, hein, bien sûr. Ça s'est joué à un poil. Ouais, non, mais à un poil, de ouf. On va refaire, bien sûr. Attendez, hop. Voilà. Alors. En fait, avouez que c'est un peu déconcertant, quand même, non? Vous trouvez pas que c'est vachement déconcertant quand ils enlèvent tout? On a l'impression que c'est beaucoup plus penché que ce que ça l'est en réalité. 80%, ok, go. Alors. C'est quand même un peu en biais, un tout petit peu. Permettez-moi de croquer dans cette pain au chocolat, chocolatine, appelez ça comme vous voulez, c'est énorme. Tant que je peux croquer dedans, ça me va. Alors. Ah ouais. Je peux même pas me caler par rapport au menton. Parce que le menton, il est en plein milieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un des rebords. Je peux juste me caler par rapport aux oreilles. Aux oreilles. Les oreilles, ça me carie de ouf. Enfin, l'oreille, quoi. Allez. Je crois que j'ai mes repères. Haut d'oreille. Oreille. Ok, j'ai mes repères. Oreille. Haut d'oreille, haut d'oreille. En vrai. Là, je démarre là-dessus, c'est un clutch. C'est un clutch énorme. Je fais ça, je retiens. J'ai ça. Masterclass. Masterclass. Ok. Non. Ça m'a fait peur. Ok. Ah voilà, c'est là où c'est plus dur d'un coup. C'est que là d'un coup c'est oublié de ma part. Mais je pense que ça c'est bien. Ouais, je pense que là, c'est bon. Je mets là, peut-être un peu proche. Hein. Si. Masterclass. Merde, faut faire les sourcils vite. Oh là là, oh, je me suis un peu perdu.
On sait que ça peut se jouer à un sourcil, hein, donc c'est important les sourcils. Hein. Oh, j'ai eu peur. Vous voyez, là c'est pas mal. Et le dernier élément qui sera le nez, qui lui se placera exactement ici. Le nez est très exactement là. Hop ! Y a plus qu'à regarder le résultat, mais ici, pour moi, c'est du 82. Je pense. Je pense 82. Non mais no joke, hein. Attendez, franchement, Nintendo, il me propose ça, je suis pas choqué. Hein. 86 ! 86 ! Ah ouais, ouais, en vrai ? Ah ouais, c'est clean. Ah, je te jure, Nintendo, ils arrivent avec une annonce Mario Kart 9, c'est lui Mario dans Mario Kart 9. Franchement, je pense que je joue au jeu, hein, en vrai. Ah ouais, ouais, ouais. 86, mais c'est amplement mérité. Hein. Merci Ben Giraffe pour le 7ème mois. Merci Le Zéo aussi pour les Zéo pour le 3ème mois. Do Yuncha pour le 6ème mois. Always Castle pour le 14ème mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon bah voilà, hein, je crois qu'on a, on a masterisé ce moment du jeu, quoi. Je crois que c'est ce que je préfère dans les Mario, les petites interludes comme ça qui régalent. Par contre, faut se casser. Ah voilà, c'est là. Presque déçu que celui-ci soit seulement 86. Bah, bah. Moi, je suis déçu qu'il demande pas un 90, tu vois. Go level 3. Y'a pas, je crois. Si ? Y'a ? J'y vais. Merci beaucoup, Jayes, pour le prime. Merci beaucoup. Portrait, ouais, j'ai plus de lune. Ah, vas-y, laisse tomber, c'est bon, laisse tomber, c'est bon! Dommage. Tu nous ferais pas un bet de score du dessin histoire de regagner mes pétales? Ah, je suis désolé, fallait croire en moi. Hein. Là, sur les trois derniers bets, j'ai honoré la team Wii. Je pense que je peux difficilement faire plus en ce moment, quoi. En termes de. D'honneur de la team Wii. Attendez. Oh. Je vais rouler, je pense. Ouais, je vais rouler. Le pauvre. Ah, oh, mais c'est vrai qu'il y a lui en plus, ok. Message d'utilité publique. Avoir d'aller éclater des pintes en terrasse, petit auto-test, ça coûte 6 euros en pharmacie et c'est instant. Jackie Chun, je crois que t'es un peu forcé hein, sur les bières en terrasse, là. Hein. Ce message n'est grammaticalement pas juste. Hein ? Message d'utilité publique, avoir d'aller éclater des pintes en terrasse, petit autotest, ça coûte 6 euros en pharmacie. Mais quoi, mais... Attention, hein ? Ah, avant d'aller... Attends. Avant d'aller éclater des pintes en terrasse, petit autotest. Ah, putain. D'accord, oui, je suis d'accord, bien sûr. Ah, j'avais pas ça, je pensais juste que t'étais éclaté en gros. Avant évidemment. Ah oui, non, pardon, je pensais juste que t'étais pété gros. Je me suis juste dit, ok, bah il est juste pété. Et tu vois, il y avait pas de soucis, hein, y a aucun problème. Hein. C'est bon, ce qui est pas net. T'es sérieux? Pourquoi il veut absolument s'accrocher à cette arme? Ah non, mais on s'en fout de cette arme. Ok. Mmh.
C'est parti. Dégage! Ah putain, sérieux, ça le tue pas? Ok. Fais un effort par pitié. Pierrot, je suis désolé, mec. Je suis vraiment sincèrement désolé, j'espère que ça va aller. Ouais! C'est pour Pierrot, ça! Qui s'est fait bannir 10 minutes pour avoir dit ça! Mérité. Mérité, mérité. Dur, dur, mais juste. Dur, mais juste. Ok. Alors là, il y a un truc à faire. Je l'ai vu tout à l'heure. Il y a... Hop là, je cherchais ça. Hop. Il y a leur chérie à eux qui se cache de l'autre côté de l'eau, je crois, là-bas. Non? Je l'ai vu tout à l'heure. Elle est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Mais attendez, elle est partie. Mais qu'est-ce que vous foutez, vous? Le capitaine est parti à la boutique. Et toi, tu fais quoi? Hop là. C'est trop cool le scooter. Mais ça me sert à un truc là? Qu'est-ce qu'on fout? Oh, je sens la triple lune. Merde. Là déjà je sens, voilà. Je sens un truc là-haut. Et voilà. Oh, c'est quoi là-bas? Oh, ça ressemblera à du désert là-bas. C'est très très chill, hein, le royaume champignon. Encore une fois, ça fait plaisir de le découvrir comme ça parce qu'il est vraiment... Putain, mais c'est vrai, la lumière, c'est l'objectif. J'avais complètement oublié qu'on pouvait aller dans le château. Bon, on va finir par le faire, c'est sûr, hein. Je pense que là, il y a un objectif, c'est surfait. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a un boss à faire qui peut être intéressant, là. Let's go. Go château. Mais on va y aller, on va y aller, on va y aller. J'avais oublié vraiment qu'il y avait ce... Ok. Faut pas me la faire, faut pas me la... Quoi? C'est quoi cette merde? Mais ça va pas! Vous êtes deux, mais d'habitude il y en avait qu'un. Oula, 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 oula. Je me retrouve acculé. Et pourtant je donne tout ce que j'ai, hein. Bon, toi t'es chiant, mec. Ah voilà. Oula, oula. On se calme, on se calme. J'ai. Un d'énergie, mais c'est super, ça va bien se passer pour la suite, ça. Top. Ah, pardon. Excuse-moi. C'est le moment. Parfait, bon, je sais pas parfait, mais bien. Ça fait peur. Ça fait super peur. Par contre, j'ai tout mis, hein. J'ai tout mis. Ils sont où? Là. Oh là! Là. Ok. Je m'écarte, je m'écarte, je m'écarte, je m'écarte. Je mets tout ce que j'ai, je mets tout ce que j'ai. Oh là, oh là.
Expérience Call of Duty qui fait parler hein, sur ça. Le joueur visé manette ici même qui trouve uniquement les têtes. Oula, putain. Qui va trouver la mort aussi bientôt. Oula, oh je suis acculé. Oh non c'est bon. Oh putain. Ah. C'est bon. Hop, merci. Je crois que c'est le boss fight le plus réussi avec le dragon aussi. Oh putain merde, oui. Je trouve que c'est vraiment le boss fight le plus réussi avec le dragon, ouais. The Triple Lune. Réussi dans quel sens? Réussi dans le sens où c'est agréable de le jouer, entre guillemets, tu vois. Dans le sens où c'est un pattern intéressant, il faut viser, il faut se dépêcher, il faut esquiver, il y a beaucoup de choses à faire, ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien. Parce que je trouve que il y a parfois des boss... En fait, souvent, dans Mario, je trouve qu'il y a beaucoup de boss où il suffit juste d'esquiver trois trucs. Je dis pas que c'est facile, attention, hein, parce que des fois on galère et tout, mais des fois il suffit, entre guillemets, d'esquiver et de mettre l'attaque au moment et c'est tout. C'est juste ça le pattern, tu vois. Et là, je le trouve cool, moi, ce pattern. Même si tu me diras, ça ressemble aussi un peu à... Mais le dragon était masterpiece, hein. J'espère qu'on refera le dragon. J'espère vraiment. Je peux pas aller dans le ciel comme sur 64 ? Voyons voir. Merci HMRO pour les 100 bits. Merci Sayanali aussi pour le 8e mois. Boss Dudu pour le 3e mois. Tontatam pour le 4e mois. Loutreas pour les 100 bits aussi. En tant que soignant, je vous rappelle de garder vos distances et précautions au bar. On vomit pas sur les copains, c'est pas safe. Merci pour ce conseil, évidemment. Et Jean Casque, merci pour le 3e mois aussi. Merci beaucoup. C'est vrai que vomir sur les copains, c'est pas très Covid-friendly, en vrai. François l'explorateur. Hey. Oh, mais les glands! Attends, bouge pas. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Hop, fence. Mais il est trop chaud, lui. Regarde le brain. Ah non, je pensais qu'il est... Ok. Maintenant. Ok, bien. Yes! Probablement le lapin le plus dur de l'histoire de Nintendo. Ah ben voilà! Regardez, le dunk. Hop, c'est pas du tout un dunk du coup, vu que je vais pas du tout au niveau. Oh, par contre ici, le 3 puntos. Ces cadeaux, c'est moi qui offre. Propre. Ça a juste rebondi. Il est bien payé ce tir, ouais, je suis d'accord. J'avoue. Ces fruits sont le péché mignon de Yoshi. Je l'ai vu tout à l'heure au château, mais je me demande où il est passé maintenant. Oh bah, il doit... Ok, bon, ok, j'ai compris, j'arrive. Une seconde. Merci Losnor pour ce 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on irait pas un petit peu au château en vrai? De vrai. On l'a fait cette tour? Mais attendez, mais on l'a pas fait cette tour en fait. On va pas aller au château alors qu'on a même pas fait cette tour, ça va pas ou quoi?
N'oublions pas la boutique. Mais la boutique, elle est dedans, je crois, non? Ah, mais non! Ah, mais non, mais j'ai tracé. Ah oui, on a écouté la radio. Ah, mais la boutique est juste là. Attendez, on va là, la boutique, alors. Déjà, qu'est-ce que vous foutez, vous? J'avoue, je suis même pas allé sur la place principale. Je suis parti instant. Il y a de la thune qui se barre derrière le magasin. Tout le monde s'en fout. Coucou. Ok. On va dans la boutique. Et vu que j'ai ramassé pas mal de trucs, on peut... Ah, c'est celle-là! La tenue qui me donne accès au truc derrière. Ah, bien sûr, j'achète. C'est exactement la... c'est exactement ce que j'ai là, mais avec moins de polygones. C'est super. Je me change. La maquette du château? J'achète. Une vignette de bloc? J'achète. Une vignette de bloc, mais c'est exceptionnel. Je crois qu'ils ont... Ah, je suis vraiment en 64, c'est parfait. Je crois qu'ils ont remis des lunes, là. Pigeon. Ah bah... Joueur Nintendo, hein, donc... on recule pas face au prix, hein. Quoi, tenue squelette? 9999. Bon, là, on recule face au prix, là. Là, on recule et puis on prend juste ça, tranquille, voilà. J'en achète 10? Attends, t'en as 10? T'en as d'autres, mec? What? Oh, c'est mérité, hein. Il y en a encore? Non. Attends. C'est quoi cette histoire là? Oh, je peux m'habiller en mon frère. Oh, il faut tout acheter là. Oh, quoi? Oh, ça s'arrête jamais. J'ai déjà tout ça, hein. Encore. Oh. La tenue, la casquette Mario 8 bits, la tenue de Père Noël, mais on est où? La tenue de zombie? Oh, faut tout acheter, non? Bon, on va acheter ce qu'il y a de moins cher déjà. Il y a même la Docteur Mario, c'est parfait. J'ai mis 30 heures à farm pour tout avoir. Et je comprends pourquoi, au début de l'aventure, il y avait des gens qui me disaient « Ponce, fais vachement gaffe aux pièces, c'est vachement important, je te dis pas pourquoi, mais tu verras. » Je crois que j'ai compris. Le 100% va être long. Ah bah le 100% boutique, il est très long, c'est clair. Par contre, là, je suis en train de me gaver. Hein. C'est un bug, les lunes, du coup. Bah... Non, c'est pas un bug, mais... soit c'est vraiment un cheat code qui te permet d'avoir beaucoup d'étoiles, je sais pas. Soit ça ne sert absolument à rien et c'est des fakes étoiles. Je sais pas du tout, on verra. Évidemment, ne dites rien. Même en speedrun, c'est long. Ouais, j'imagine. Il me reste combien? 1600? Oh bah la tenue de musicien là. Si jamais ça part en musique, je suis chaud, ouais. Bon bah voilà, après c'est... Ah non, j'ai plus que 100 balles. Ah oui, d'accord. Et après j'ai tout ça, ok. Ok, je vais donner quand même ces lunes. Je vais les donner directement au vaisseau pour qu'on puisse... Bah qu'est-ce que tu fous, frérot, là? Bah tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette tenue quelque part, hein.
Eh, hey, te va tip top, Frangin? Eh, hey, Frangin, il paraît que t'as sauvé Princesse et je suis vraiment fier de t'avoir pour Frangin, tu sais. Eh, hey, mais écoute plutôt ça, j'ai inventé un nouveau jeu, hein, ça s'appelle la chasse au ballon. La chasse au ballon, c'est un jeu dans lequel tu cherches des ballons cachés par des joueurs du monde entier. Tu dois savoir que si tu joues, tes records et le surnom et l'icône de ton profil seront visibles. Est-ce que tu veux te connecter au réseau, à l'interweb? Bon, vas-y, on tente. Aucune idée de comment ça fonctionne. Donc là, je suis en online. Ah mais pourquoi j'ai mis ce skin? C'est très très déconcertant. On peut jouer à la chasse aux ballons en cherchant les ballons ou en les cachant. Je te propose de commencer par trouve ballon. C'est simple, tu dois trouver le ballon. Tu as 30 secondes. Le compte à rebours se met en marche dès que tu sortiras de la zone de départ. Ah, je peux chercher avant? Ah bah je le vois du coup. J'ai 30 secondes quand même pour aller là-bas. Ah merde, ça compte comme sortie! Merci. Bien joué, merci beaucoup. Tu repars avec 50 pièces, bah go! Là, c'est moi qui ai caché le ballon, mais normalement, tu dois chercher les ballons cachés par les autres joueurs. Ah, je comprends. Chaque fois que tu accumules 3 pièces, le temps imparti est rallongé d'une seconde. Ok. Tu gagneras des pièces à chaque fois qu'un joueur cherchera ton ballon, jusqu'à ce que quelqu'un le trouve et l'éclate. Tu dois cacher ton ballon en 30 secondes max. Le temps dont disposeront les autres joueurs pour le trouver dépendra du temps que tu as mis à le cacher. Oh, mais c'est énorme. Et après, en fait, ça te farme des thunes sans rien faire, en gros. J'ai l'impression d'avoir compris ça. Tu peux utiliser tout ton temps et le cacher le plus loin possible ou te dépêcher et le planquer tout près d'ici. À toi de voir. Le compte à rebours se mettra en marche dès que tu sortiras de la zone de départ. Est-ce que je peux aller là-haut le mettre et faire galérer peut-être? Et sous le pont. Et le problème c'est quand les gens ils le cherchent, ils ont la flèche ou pas? Parce que s'ils ont la flèche sous le pont, c'est naze quoi. C'est ça le truc. Je me tâte. Et ouais, ils ont la flèche. Bah du coup, sous le pont ça sert vraiment rien. Ou alors un truc très chiant, genre là-haut. C'est pas si chiant là-haut en plus. Ou alors un truc un peu chiant, qui peut amener à de l'illusion d'optique. J'y vais, vous allez voir. Merde. J'ai mes 15 ans. Merde. Genre là. Imagine, je le mets là. On s'en fout, on teste. Même si j'ai mis 15 ans. Le mec peut avoir une petite illusion d'optique où il se dit c'est derrière, là-bas, en bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. On va tester. Ah, il y a Benou, Samuel, Danny, You're Gay. Un truc que je saurais pas lire. Bah ouais, en vrai, ballon page 2, page 3, ok. Bah go, en vrai. Prix de la partie. Bah, you're gay, c'est 75, le prix de la partie, et 250 balles si on trouve. En 16 secondes. Je vais rater, c'est trop tricky. C'est où? 62 mètres vers là-haut. T'es trop chiant, mec. Non. Ok. Je vais faire le tour. Ok, go.
De faire le tour, il y a une montée. Oh mais il est trop chaud. Non mais c'est super dur, je sais même pas où il est. Ouh, ok. Tu veux recommencer, ça te coûtera 50 pièces. C'est trop dur. Et en fait, il faut que je m'entraîne en off, entre guillemets, à monter là-haut. Il y a Todd devant moi. J'étais close, hein. Dis-toi que certains utilisent des techniques de speedrun. Ah bah j'imagine, hein, pour cacher leurs ballons. Désolé, mais dans la plupart des cas, les joueurs casu ont galéré pour choper les ballons. Mais justement, ça se tente, ça se tente. Ça se travaille. Ah, c'était close en vrai. Non, 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 un autre ballon, un autre ballon. Venez, on fait un truc plus simple, genre... Non, merde, j'ai... Loïc... Ah non, c'est une fleur en plus. Oh, j'ai mis oui, j'ai pas annulé. Oh là là, il est où? 183 mètres. Oh, merde, je fais n'importe quoi. Pardon. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi ça? Ah! C'est quoi cette vue de merde? Bah, casse-toi! Mais laisse... Mais quoi? Mais il y a un bug? Mais quoi? Mais quoi? Mais non, j'ai pas R3! Enfin, je crois pas, vu que de toute façon, j'ai spammé après, ça me l'enlevait pas. Mais c'est quoi cette merde? On refait. Yeah. Okay. Oh, ce vol. Oh, c'est un scandale ce qu'il a fait là. Ok, je fais ça. Oh, il y avait des pièces. Oh, limite, j'aurais pu les ramasser ces pièces là, tu vois. Merde, je vois pas la flèche. Mais t'es là. J'avais oublié le ballon. Un bonus temps, ça te fait 25 de plus. Boum! Tu es passé rang supérieur, tu empoches 50 de plus. Mais je me suis trop bien en fait. Attends, je peux le refaire là? C'est une blague? Il va. Dites-moi qu'il va pas donner quelque chose quand même. Tu peux fermer. Attends, mais quoi? Tu peux pas fermer à l'infini? Ah merde! Il y en a un autre! Ah mais non, il y a plus le ballon! Y'a. Putain, si je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Mais attends, mais tu peux farmer à l'infini? J'ai 400 pièces, je suis rentré dedans avec 150 pièces. J'ai perdu je sais pas combien de fois. J'ai 400 pièces. Ça m'est bien. En vrai... Oh, Leaf, il a dû faire une dinguerie, je pense. Ok, donc on peut pas les faire à l'infini, parce que là, il n'y a plus Loïc. 40 secondes... Attends. Ah bah moi, je veux bien... Ah oui, moi, je veux bien gagner 74 pièces, oui, bien sûr. Allons-y, 40 secondes. Des regrets.
Ok. En vrai, laissez-moi réfléchir. C'est un petit instant. Merci Almel pour les 100 bits. Tu peux utiliser des moyens de déplacement quand tu cherches ou poses des ballons, genre Yoshi, scooter et tout. Je sais pas du tout, Almel. Je sais pas du tout. Je découvre, hein. Ah ! Quoi ? Ok, j'étais pas prêt, j'étais en train de... Oh non, c'était presque bien joué. Il est où ? Je sais pas où il est. Je le vois pas. Il est là. Ah ! Ah ! Ah, je panique. Ah, il était beaucoup plus haut que ce que je croyais à la fin. Ok, ça se tente. Je vous jure que ça se tente. J'aurais dû regarder aux alentours. Ça se tente de ouf, par contre. J'ai mieux recommencé sans réfléchir. Non ! Non ! Mais saute dessus ! Pourtant, je maintiens Y. Mais il est trop loin, je crois. C'est moi qui me mets trop loin. Oh non. Ici, peut-être ? Non. Non ! Comme ça on se traîne. Ah non mais il est trop loin je crois. Je crois qu'il est trop loin. Je le retente. J'en ai rien à foutre. Quoi ? Quoi ? Je rebondis pas sur mon... Pourquoi des fois oui, des fois non ? Oh. Oh, je voulais... Ah voilà, faut monter encore. Je peux monter par où ? Par les fenêtres ? Faut encore monter, ok. Tu vas finir par payer plus que ce que ça peut te rapporter si tu continues. Oh bah là, pour le moment, ouais, c'est le cas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, on peut utiliser tous les moyens de... Ah mais attendez, mais quoi ? On peut vraiment... Vraiment ? Attends, montre. Ouais mais bon. Ouais mais bon. J'avoue que... Moi, j'avoue que je préfère 100, je pense, hein. Ouais, je préfère 100, je crois, vraiment, hein. Je sais pas. Entraîne-toi, après t'as tous les ballons. Bah ouais, de ouf. Ouais, je sais pas, je me tâte. Ouais. Bientôt le 301ème patient au service addictologie. L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients. 300 patients ! Oh 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 ! Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran. Oh 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 ! Meuporg, à se goinfrer des
Meuporg, Meuporg. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meuporg, Meuporg. Voilà. Meuporg, Meuporg, Meuporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMEOPRMRPPPRO. MMMEOPROPPPPPG. Voilà. Meuporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne. On prend part à une d'autres compagnons virtuels. Meuporg, Meuporg. À ce moins frais des. Meuporg, Meuporg. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meuporg, Meuporg. Meuporg, Meuporg. Exactement. C'est difficile à dire. Alors, je vais replacer mon ballon parce qu'il a été trouvé. Ok ? Je vais essayer de le mettre le plus loin possible.